C'est mon petit flocon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'essaye un nouveau micro, donc c'est le dernier que j'ai, hein. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous verrez sur la miniature avant que la vidéo commence, ou sur la miniature YouTube, qu'il y a un niveau de difficulté. Parce que c'est pas simple. Ça c'est niveau de difficulté 3. Donc ça va encore. J'aurais pu le mettre en 2, mais c'est un peu 3 quand même. Ouais. On va mettre ça en 3. Allez. Donc, on va commencer. Désolé des lags parce qu'on est qu'à très peu d'FPS. On va faire le centre de tri, la poubelle. Alors la poubelle, elle est juste là, là. Je vais vous montrer comment ça marche. Après, je vous montre le système. Non. Hop. Tac. Tac. Je vais prendre n'importe quoi comme objet. Ça me le foutra à la poubelle. Je vise. Et je lance. Il n'y a pas de son Minecraft, il y a un bug. Désolé. Voilà. Regardez le système en fait. C'est tout con. C'est tout con. C'est juste ça. Je recommence. Regardez. Hop, il a disparu, parce que je l'ai lancé trop vite. Si je lance doucement. Essayez de le lancer doucement. Bon, bref, en gros, dès que vous le lancez. Attendez, on va essayer de le lancer doucement. Regardez. Voilà, vous l'avez vu descendre là. Voilà. C'est tout. Hein. Donc, pour ce faire, il vous faut deux tuyaux. Il vous faut bras, le fer comme celui-ci, deux obsidiennes et un verre. Et vous obtiendrez 8 tuyaux d'aspiration. Ça peut être chaud à trouver, mais c'est facile. Donc ça va, c'est pas très cher. Comme ça aussi, c'est que dalle. Une poche d'encre, un verre et une redstone. Ça, c'est easy. En gros, vous creusez dans la terre, vous foutez le deuxième tuyau que je viens de vous montrer. Plus le tuyau et après vous faites le tour comme là j'ai fait et voilà votre mini poubelle est terminée. C'était tout simple. Regardez, ça marche. Hop, ça l'a détruit l'objet. Tac, il n'y a rien en dessous. Hop, voilà, on passe au centre de tri. Désolé, il n'y a pas de son Minecraft, je suis désolé, mais normalement dès que je passe la porte ça fait du bordel. Ouais, je suis désolé, il y a eu un bug. Je reviens. Non, ça veut toujours pas. Bon, bah bref, c'est pas grave, on y va. Par contre, je ferme la porte. Mais bon, je réparerai le bloc plus tard, hein. C'est mort. 2 secondes. Je vais vous montrer le système de centre. Voilà. On n'a rien vu. Je couperai ce montage, je pense, ou pas. Donc voilà le centre de tri est ici. Je vais vous apprendre à le faire bah, après. Déjà, on va enlever le pointé. Hop. Voilà. Ça, c'est le centre de tri. Donc, comment il marche? Alors, je vais vous montrer. Alors, en gros, je l'ai configuré pour qu'il prenne. Pour qu'il me stocke un bloc de fer, un bloc d'or, un bloc de diamant, du charbon. C'est pas du charbon qui me stocke de toute façon. Je vais voir ça. Ah, il est comme ça, lui.
Il y a un problème dans le... Écoutez, on va aller configurer le... Comment ça s'appelle? Mais le truc pour que ça soit du charbon. Il veut bien me faire décoller. Voilà. Bon. On va bien jouer. Donc c'est pas grave. Ah oui, parce que d'accord, il n'y a rien. Vous n'avez rien vu. Voilà. Hop, c'est bon. Et ben non. Comme ça, on va pouvoir tester. Tac. Alors, 2 secondes, je dois aller vérifier si ça a rien d'explosé. Non, c'est bon. Hop, voilà. Allez, on va aller virer ce qu'il y a dans le coffre. Comme ça, je vais vous prouver que ça marche. De toute façon, le système, je le refais après. Hein. Voilà, là, il n'y a rien dans le coffre, on est d'accord. J'ai déjà fait des tests, donc s'il y a des trucs dans les autres coffres, c'est normal de l'idée carré. Je parle d'un mois, ça c'est plus de 64, facile. Donc, je lance tout. Hop, hop. Et bon, ça arrive que quand vous lancez mal, ça vous le... de redonne. J'ai lancé le charbon, il est parti de l'autre côté. Attention. Hop. Hop. On a tout. On va aller vérifier que le charbon a bien été mis dans le coffre et rien d'autre. Voilà. Et vous allez dire, eh mais il n'y a qu'un coffre, c'est où le reste? Et bah c'est planqué les gars. C'est planqué. Regardez. Attendez, pourquoi j'ai fait la mini poubelle avant? Vous allez comprendre après. Alors, tac. Allez, c'est moi, désolé. Regardez. C'est ces trois-là. J'ai déjà fait des tests avant, c'est pour ça. Voilà. Ils sont là. Et vous allez me dire... Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Où ils sont l'autre, la poubelle et tout? Et ben, elle est là, je crois. Et ben non. C'était là. Bon, c'est la même chose. Voilà, elle est là. Donc en gros, dès que je lance un objet, oui, on va essayer de le regarder. Trop loin. Voilà, c'est parti. Regardez bien. Bon, on n'a pas pu le voir, écoutez. Mais il est dedans. Et on peut aller vérifier, hein, si vous ne croyez pas. Ah, mais la flemme, parce que ma flemme est trop. Oui, bon, regarde, on va aller vérifier. Regardez bien. La laine noire n'est pas allée dedans. Je sais, il y a un trou en trou. Voilà. En fait, c'est pas configuré. C'est configuré pour que tout le reste aille dans la poubelle. Voilà. Les coffres de diamants, c'est... Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est... Chest, je sais pas quoi. Je le savais il n'y a pas longtemps le nom en plus. Chest, mort chest, un truc comme ça. Bref. Je vous le dirai dans la description. Bon, maintenant, on va passer à la construction de ce centre. Pour cela, il vous faut choisir n'importe quel bloc. Vous en foutez complètement. Pour l'exemple, je vais prendre de la laine, de la brique, tiens.
pouvez prendre n'importe quel bloc. Je prends de la brique. Le bloc, vous vous en foutez. Je vous conseille, si vous êtes en... Comment ça s'appelle? En survie, de prendre un bloc qui vous coûte pas cher. Il nous faut... Bah, pour l'exemple, je vais prendre les trois trucs là. Et le charbon. Et genre dans le coffre que j'envoie de l'autre côté, j'envoie une étoile du Nether. Voilà. C'est bon, j'ai tout. Maintenant, il nous faut des tuyaux. Et ça, les tuyaux. Eh ben, c'est pas facile à choper. Alors, il faut un tuyau de transport en or. Enfin, c'est conseillé, hein. Parce qu'autrement, vous allez mettre le temps à l'avoir l'objet. Autrement, vous pouvez tout faire en... En roche. Ouais. Le roche, ça se crafte comme ceci. Deux roches et un verre. Un tuyau de transport en diamant. Les deux de tout à l'heure. Je vous rappelle, c'est avec l'obsidienne. Obsidienne et voilà comme ça pour celui-là vous avez vu donc vous pouvez reprendre l'autre d'avant et comme ça pour celui-là l'obsidienne et le verre voilà pour le diamant vous avez tenté deux diams et un verre pour l'or c'est exactement pareil on en avait 8 hein. Donc c'est pas cher sérieusement vous pouvez je vous conseille l'or pour le truc compact que c'est vous aurez genre besoin de 4 or maximum c'est tout lingot hein. Bon, on y va. Alors, 4 de haut. Et 6, 7, 7 de long. Ok, ça roule. On va le faire là, tiens. Donc, 1. Il n'y a pas de son mirage, je suis désolé. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Je vous apprends comment le faire là. Hop, vous coupez au milieu. Voilà. Prêt. On met le tuyau. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Par contre, vous pouvez mettre le tuyau là. Ça, c'est bon. Ne vous cassez pas, vous chopez le milieu. Et vous mettez le tuyau devant. Et on a dit 4 de haut. Donc. Deux. Est-ce que il veut bien? Ouais, 3. 4. Voilà, très important d'avoir mis le tuyau là, vous comprendrez pourquoi. Déjà pour que ça soit centré, ça c'est logique. On peut faire n'importe quel type de pierre, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, regardez c'est l'eau, hein. J'ai un bois plus foncé. Pour le toit, c'est même je me suis amusé, hein. C'est un autre mode, donc ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire un truc carré, mais j'ai fait un toit pour m'amuser. Voilà. Attention, là c'est très important de laisser un trou ici. Vous mettez le truc en bas, vous mettez deux blocs, un trou et un bloc. Après, vous mettez le diamant. Il n'a besoin que de 1. Donc vous en avez 8, donc vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez même faire un autre centre. Vous pourrez même faire le centre d'à côté, tiens, avec le diamant. Là, vous faites ça comme ça. Il passe dans le mur, là. Un qui passe ici et l'autre vous avez deviné qui passe de l'autre côté exactement après vous en remettez encore un alors ça ultra rapide le téléportage d'objets
La téléportation, c'est pareil, je sais, j'ai fait exprès. Donc voilà. Après, vous foutez le. Là, c'est pas dans la terre. Hein. Si vous voulez le mettre dans la terre pour que ça soit planqué, vous avez besoin d'un tuyau de plus. Ce qui vous fait moins 6 heures. Vous mettez le tuyau. Le tuyau dans la terre et vous refermez. Excusez-moi. C'est des lags. Ça n'a pas marché. Voilà, j'en étais sûr. La deuxième barre ne marche jamais. Bon. Bref, on n'a plus besoin de ça. Dites ça. Et maintenant, comme ça va pouvoir vous montrer que ça marche. Il est dans la terre. De toute façon, on refermera après, donc ça se verra pas. Et lui, il est dans la terre. Donc encore un truc. Et il vous faut un coffre pour stocker vos objets. Vous n'aurez même besoin de deux pour mettre de l'autre côté. Alors, on creuse. On met le coffre. En gros, là, vous avez déjà fait tout le truc. Il est compact, le système. En gros, on a déjà fini presque. Vous allez de l'autre côté de votre mur. Vous faisiez ça comme ça. Hop. Là, vous êtes tout foutu, vous n'êtes pas obligé de le planquer dans la terre, comme c'est dans votre maison et tout. Voilà, vous mettez ça comme ça. Voilà, vous avez fini votre système, vous êtes content. Sauf que là, si vous lancez vos objets, ça les mettra n'importe où. N'importe où, ça peut aller n'importe où. Pour ça qu'on a mis le tuyau de diamant, pour que ça trie les objets. Alors, par contre, faut se rappeler des faces. Le blanc, c'est la pièce d'à derrière. Ok? Ou ça peut être une autre couleur. Le rouge, c'est le coffre. Et le bleu, c'est le vide. Donc nous, on s'intéressera qu'au rouge et qu'au blanc. Vous allez voir pourquoi. Alors le rouge, il est de quel côté? Le rouge, il est par là. Donc dans le rouge. Ça ne vous bouffe pas vos objets. Ne vous inquiétez pas, ça les copie juste. Regardez. Le rouge, je veux qu'il me mette dans le coffre tous les trois trucs. Ça, c'est la ligne rouge. Donc en gros, dès qu'il détectera, il enverra tout dans le côté rouge. Le blanc, le charbon, mais il a pas pris, donc voilà ce qu'on va faire. Non, c'est pas le charbon, c'est l'étoile du Nézéra, c'est vrai. Le blanc, l'étoile du Nézéra. Voilà. C'est tout, hein. Et regardez, c'est déjà fini, c'est tout ce qu'il va faire. Et en gros, tout le reste, il enverra automatiquement dans le truc. On va essayer, regardez, le coffre. Il va aller dans la poubelle. Qui est juste à droite, regardez. Hop. Vous avez vu la vitesse de ouf? Parce que c'est des tuyaux d'or. Hop. Je vais essayer de le ralentir le prochain. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. C'est déjà fini, hein. Attention, lui, il va aller de l'autre côté. On l'a vu en lenteur. Regardez. Il va accélérer. Voilà. Les trois prochains, ils vont dans le coffre. Et normal, il faut pas le lancer dans le diamant. C'est vrai. Regardez. Il va aller là-bas. Lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Et voilà, c'est fini. On peut vérifier. Les trois sont bien là. Tout le reste a été dans le vide. Et de l'autre côté, on a bien notre étoile du Nézéra. Et maintenant, c'est moche. Donc, faut planquer ça. Alors, vous prenez le mur de votre choix. Pour ça, je vous dis de prendre un truc que vous trouverez assez facilement. Vous recouvrez tout de tout, sauf les tuyaux. Tout le tour sauf les tuyaux. Cette vidéo va durer longtemps, je suis désolé pour vous.
Vous recouvrez tout le tour de tuyau. Voilà. Comme ceci. Et après, vous pouvez pas mettre les blocs sur les tuyaux. Et ben, comment vous allez faire pour pas que ça se voie? Tout simplement, je vais vous montrer. Vous prenez le bloc que vous voulez. Même si c'est un mode, normalement, ça passe. Le bloc de briques, là. Tac. Vous avez des façades. Pour faire une façade, il faut alors votre bloc. Il y a 117 blocs en fait. Il faut un tuyau de structure en pierre et votre bloc. Et pour avoir un tuyau de structure en pierre, il faut du gravier et un tuyau de transport en pierre. Un verre de pierre. C'est assez cher. Ça que je vous ai dit, si ça va encore, c'est ça que je vous ai dit de trouver un bloc assez simple. En gros, il faut de la pierre et du verre. Après, vous avez juste à poser le bloc là sur le tuyau. Et surtout, ne vous gourez pas de sens, parce qu'après, c'est mort. Vous pétez le tuyau et je sais pas si on peut le récupérer. Là, si vous en avez assez, vous le mettez sur le côté pour que ça fasse un style. Voilà. C'est bon, vous souriez, on voit aucun coffre. Le coffre est là. La poubelle est là. Vous voyez, ça se voit pas. En gros, ça vous fait un carré. En gros, on dit ça, c'est votre maison, elle est finie. Et là, vous récupérez l'objet. Donc vous pouvez mettre un autre bloc. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté, j'ai mis la pierre, vous avez bien vu. Comme ça. Comme ça. Surtout pas en dessous. Hein. Sur les murs. Comme ça. N'oubliez pas d'en mettre au-dessus aussi. Hein. Comme ça. Comme ceci. Il veut bien. Moi, il veut pas apparemment. On va écouter. On va faire bien les méthodes. Voilà. Regardez. Toc. Et bon bref, c'est ça, on s'en fout. Voilà, vous avez fini. Après, vous pouvez fermer avec le même bloc pour pas que ça se voie. Voilà, le centre d'entrée est déjà fini. Hein. Vous avez juste à balancer vos objets. Regardez, je vais les reboucher, je vais le lancer. C'est tout con. Hein. Je vais aller vous montrer le système avec un coffre. Je sais plus s'il est désactivé ou pas. On va bien voir ça. Normalement, il est désactivé, si je me trompe pas. Alors, là. On va faire une sélection. On va faire une sélection d'objets. Parce que j'ai tout prédéfini. Là, il nous faut ça. Il nous faut un minerai de chaque. Ça et ça, voilà, et après on peut prendre n'importe quel bloc. Voilà, regardez, je vais tout mettre dans le coffre. Ah, il a activé le système, regardez, tout part à chaque fois. Hop. D'accord. Il prend pas le coffre. Ah si. Bon. Bah voilà, tout s'est barré. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, regardez. Il a trié. Tada.
J'ai déjà fait des essais, regardez. J'en ai mis un. Parce que j'en avais déjà mis un. J'ai bien mis la brique du nether et la brique. Ici, dans le coffre brique. Dans l'émeraude, il a mis une émeraude. Dans le diamant, il a bien mis le diamant. Et tout ça en vitesse de folie. Dans l'or, il a mis de l'or. Et dans le fer, il donnait ce qu'il a mis. Et ben du fer. On va aller voir comment ça se passe. Et on va arrêter le système. Pour vous prouver que j'ai. Ça, je me cumule tous les modes. Moi. Hop. Ça, j'ai présenté dans la présentation de mode. Le bloc là-bas. Et les boutons séparés. Voilà, je vous montre le système. En gros, quand le moteur de redstone est activé, ça pompe tout ce qu'il y a dans le coffre. Dès que c'est désactivé, vous pouvez te laisser tout dans le coffre. Et voilà, ça restera. Donc en gros, vous allez juste activer. Vous mettez un tuyau de pierre, un tuyau de bois. Donc vous l'avez deviné, c'est deux bois et un verre au milieu. Après, vous avez besoin de trois tuyaux de diamants. Avec dedans le diamant tout droit, les deux qui vont à gauche, les trois autres à droite. Et regardez celui-là. Le côté rouge, il amène à l'or, et le côté vert, il amène au... voilà. Enfin, vous avez compris. Et lui, tout droit, le rouge, c'est celui-là. Et les deux là, c'est celui-là là-bas. Je sais pas si vous voyez la souris, mais on s'en fout. Voilà. Comme le système il est désactivé, on va le réactiver exprès, regardez, vous allez voir. Vous allez voir. On va réessayer une fois. Comme ça, quand on va aller activer le système, on va voir directement comment ça fonctionne. Là, je vais prendre une étoile du Nether. Je vais prendre de la poudre d'eau. Je prends tout ce qui est à côté et un œuf. Pour vous montrer que c'est du grand n'importe quoi. Je vous rappelle que tout est désactivé. Regardez, le mec, il... Vous pouvez faire un piège avec ça. Hein. Sérieux. Le mec, il dit, ah ouais, mais c'est un coffre. Donc, tranquille, tu vois. Il laisse tout dedans. Mais vous, quand vous passez, vous activez le système. Genre avec un levier. Vous foutez des fils jusqu'en dessous du moteur, c'est bon. Voilà, regardez, on active, on va voir ce qui se passe. Chaque objet défile un par un, et vous allez voir la vitesse. Lui, il va derrière moi, là. Regardez. Lui, il va aller tout droit. Lui, il va aller devant moi. Regardez, le diamant, il est tout droit. Regardez, ça change tout seul. Lui, il va tourner, les trois autres vont tourner. Regardez, hop. L'or. Et 3. Regardez, la poubelle, elle est juste là, j'avais oublié de montrer. Tout le reste, poubelle. Regardez, ça descend. Tac. 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 Et voilà, c'est fini. Il y a la poubelle ici, hein. Pour ça que... Et si on regarde le coffre, il est vide. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour le système d'alarme. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Ça a peut-être duré assez longtemps, mais ça valait le coup. Allez, au revoir.